On s'ambiance pas sur la musique? C'est jeune, c'est pas la bonne musique. On aime le rock aussi sur... Oh bah cette journée elle commence en courant. En fait donc les enfants, mes deux grands, sont de sortie scolaire. Ils vont à un cirque où ils vont... Alors ils vont pas voir le cirque, ils vont faire des ateliers, découvrir le cirque, etc. Donc c'est génial. Alors je n'ai pas pu être parent accompagnatrice, j'étais dégoûtée, je m'étais proposée. Mais voilà, bah après ils tournent étant donné que je fais la sortie vélo. Tout début juillet, mais du coup j'étais dégoûtée parce que c'était vraiment une sortie où j'avais mes deux enfants, donc j'aurais vraiment pu être là pour les deux. Lily Rose a été dépitée ce matin, elle me disait mais du coup on va changer de parents et tout, donc je lui explique que non, c'est juste que là c'est pas moi qui peux les accompagner ou papa, mais que ce sera d'autres parents qui seront là avec eux et tout. Alors je lui dis ah, il y aura peut-être la maman de tel ou tel, en disant des prénoms et tout, donc du coup ça la rassure un peu, mais je sentais qu'elle aurait aimé que je sois là et j'aurais bien aimé aussi, mais franchement bah voilà hein. Je suis débitée. En plus de ça, du coup, j'étais persuadée d'avoir rendu papier de sortie. Non, donc l'enseignant d'Eden m'en a redonné un que j'ai signé, que j'ai rangé dans son cartable ce matin, ceux qui sont partis avec leur sac à dos et leur pique-nique. Donc du coup, absolument pas le sac et le papier. Donc qui c'est qui a fait en 2-2 l'aller-retour pour qu'ils puissent faire leur sortie? C'est moi. En même temps, j'avais qu'à pas oublier mon papier. Donc je fais l'aller-retour. Entre-temps, j'arrive devant l'école la première fois. J'ai un livreur qui m'appelle. Donc c'est une grosse livraison, c'est pour nos brise-vues. Et donc la livraison était prévue entre 8h et 18h. Donc je me suis dit, bon allez. J'étais sûre de toute façon que ça allait me tomber dessus. Je fais, ça va tomber pile quand je vais amener les enfants à l'école. J'ai pas le choix, je veux dire, sur cette tranche horaire-là, j'ai juste pas le choix. Il m'appelle, oui, machin et tout. Je lui dis, bah écoutez, là je suis devant l'école, je sais qu'on m'avait dit cette tranche horaire, mais là j'ai pas le choix en fait. Il me dit, écoutez, si vous êtes là sous une demi-heure, c'est bon. Donc, du coup, bon, là je suis bien rentrée, il est pas encore arrivé parce qu'il avait livré encore deux autres personnes. Du coup, j'ai expédié mon enfant à la crèche, genre en mode, je l'ai posé, j'ai dit, je suis désolée, j'ai vraiment pas le temps, j'ai un livreur qui arrive et je pas louper cette livraison parce que je l'ai programmée et que je suis pas sûre qu'il me reprogramme comme ça. Tout va bien. Amie n'était pas très contente que je l'ai posée aussi expressément. Mais bon, je sais que ça, qu'elle était très contente d'y aller, mais juste, je lui ai à peine fait un bisou, je suis partie, donc ça l'a moyennement plu. Donc voilà, donc il est même pas 9h que. Pouf, hein, voilà, il y a des jours comme ça, hein. Il vaut mieux de pas sortir de son lit, c'est ce qu'on dit, non? Je viens de passer la matinée, comme toute personne qui travaille, devant mon ordi. Voilà, j'attends les 3 minutes pour que ça finisse d'exporter le fichier, parce que c'était important. Et comme j'avais une livraison prévue entre 8h et 18h et qu'elle est arrivée là, je vais pouvoir être mobile. Comme on parle la semaine prochaine, je voudrais pouvoir aller acheter les jouets de sable, parce que clairement, je crois qu'il nous reste un seul seau qui a survécu. Et on a peut-être assez de pelle, donc ça je suis pas sûre, mais de toute façon je crois que tu peux pas acheter des sous de sable sans tout le reste. Je vais aller faire un tour à Action pour voir. Ça faisait des années qu'on avait les mêmes sous. Franchement, ça fait des années que j'avais pas racheté des jouets de sable, mais là clairement ça va pas être possible. J'aimerais bien leur trouver les mini kits pour faire des glaces, enfin juste un peu changer du classique, avoir 2-3 petits véhicules, enfin voilà, qu'ils puissent vraiment jouer, parce qu'à chaque fois sur les plages, ils voient d'autres parents qui ont d'autres, enfin des gamins qui ont d'autres jouets un peu plus créatifs et ils ont envie d'aller vers, et les enfants ont pas forcément envie de partager, ce que je comprends parfaitement. Donc du coup, j'aimerais vraiment qu'on soit bien équipé et que je stocke ça, pas du tout dans le coffre à jouets du jardin, pour être un peu plus stratégique et survivre et faire survivre la chose. Nourrir le chat de ma maman puisqu'elle rentre demain. Je verrai si demain matin je prends le temps ou pas d'y aller, suivant l'heure qu'elle me dit qu'elle rentre. Mais du coup, j'avais peur de devoir y aller encore ce soir tard quand tantôt rentre et traverser deux villes. En heure de rush à 18h, autant vous dire que c'est du suicide. Donc là, ma copine Camille vient manger qu'à 12h40, pas bien avant. Donc je vais avoir le temps de faire la boucle puisque la boutique Action n'est pas très loin de chez ma mère. Donc au moins, je suis en train de me dire, je vais optimiser, il faut que je fasse le plein aussi. Je suis en mode réserve qui s'est allumée tout à l'heure, mais ma station n'est pas du tout sur le chemin. Enfin bon, bref, du coup ça, je pense que j'irai plutôt le plat avant de récupérer mes enfants. Est-ce que le truc n'est pas légèrement en train de se foutre de ma tronche? Il y avait écrit 3 minutes. À quel moment le truc il a redémarré? Ça descend, mais il n'empêche que du coup il est en train de tuer mon programme, le bordel. Et que si l'ordi se verrouille, je sais pertinemment que le WeTransfer ne fonctionne plus, ne marche plus. Donc je suis un peu deg en fait. Je suis avec ma camou, je vous avais dit qu'elle viendrait me voir tout à l'heure. On a mangé et là on va chez Action. Action. Pourquoi je fais de batterie? Pousse-toi toi. J'ai plus de batterie, je vais chez Action et on va nourrir le chat de ma maman. Voilà. Ah oui, chez ta mère? Bah, oui, je t'ai dit qu'on va chez ma mère, c'est à côté pour nourrir le chat de ma maman. Ah, okay. T'as pas écouté? Non, mais je t'ai écouté une fois sur toi, t'étais partie à tête à vue, fermer le portable. T'arrives pas à le fermer celui-là? Eden, tu lui montres comment on fait les boutons? Elle sait pas faire, celle-là regarde les boutons. Là, c'est la ficelle, oui, c'est perdu. Faire. Les boutons, là, regarde devant elle, là où c'est rouge. Moi aussi, je sais pas faire. Tu sais pas faire les boutons? Regarde, là, ceux-là. Ah, c'était une blague. Il me semblait, j'allais dire que tu connais ça.
C'est bleu. Mais ils sont bleus les boutons. Oh, c'est de la feignantise, monsieur Deden, n'est-ce pas? Papa. Dis, je la vois ta langue. Bon, je vais vous montrer du coup les achats que j'ai fait. Alors, j'ai trouvé à Zeeman, parce qu'on allait du côté de Zeeman. Camille a besoin de faire des achats. Ces petits seaux, alors, sont vraiment pas gros. J'ai trouvé ça très, très bien. Avec une pelle, un râteau et il y a un petit, des petits accessoires comme ceci pour pouvoir machiner. Je crois qu'il y a un bébé arrosoir, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, un petit arrosoir, etc. Donc, en version miniature, donc c'est très bien. J'en ai pris trois, donc deux roses. Et un qui était gris, c'est exactement le même motif perroquet, mais voilà. Ils étaient au prix de 3,90€, donc 4€. Donc ça, c'est bien, parce que le format fait que pour les retirer en vacances, quand vous avez plusieurs enfants, c'est vachement pratique. Voilà, ensuite, on est allé à Decathlon. J'ai repris un masque pour Eden, parce que introuvable, ça, j'ai fouillé tous les trucs qu'on stocke. On a perdu plusieurs choses, j'ai perdu aussi les gros brassards que j'ai accrochés pour les enfants. Donc il faut que j'essaye de retrouver, parce que clairement, j'ai pas du tout envie, j'ai vraiment pas envie d'avoir besoin de racheter. Donc ça, et puis ils attaquent la piscine à l'école lundi, donc je vais racheter un bonnet de piscine, parce que pareil, celui de l'an dernier, introuvable. Donc, je sais pas comment je me suis débrouillée au moment du rangement, j'ai retrouvé beaucoup de choses, hein, des maillots, etc. Donc Eden, il y a toujours son maillot l'an dernier, il est juste racheté, Abby, elle a récupéré ceux de sa sœur, donc voilà, mais là, j'étais en râle. Chez Zeeman-ci aussi, j'ai repris de la lingerie pour les enfants, donc caleçon, culotte, voilà, pas besoin d'entrer dans les détails. J'ai trouvé deux hauts chez Zeeman à Eden, parce qu'Eden, il a beaucoup en 8 ans et en 10 ans, et les 8 ans commencent à être un peu juste. Donc j'ai pris un basique comme ça, par exemple, ma mère elle n'aimait pas du tout, mais alors moi je le trouvais très très sympa, j'aime bien. Et celui-ci. Tchouk. Voilà, tout simple, basique. Donc ils ont beaucoup de seconde main, de temps en temps, comme je vous disais, du neuf. Et pour Lily Rose, parce qu'elle, pour le coup, c'est avec les t-shirts, la seule où il me manque encore des choses, c'est des shorts pour Abigail. J'en ai trois, c'est un peu juste. Mais je trouvais que payer 17€ un short, c'était un peu cher, concrètement. Et j'en avais pas trouvé à Zeeman. Du basique, standard, neutre. Bref. Donc du coup, on avait à côté un sergent-major et ils avaient 40% de remise. Plus j'avais un bon d'anniversaire quand Abigail du 16 juin de 10€. Donc j'en ai profité, j'ai rien trouvé, je vous disais, pour Abby. Ou des shorts, ils étaient à 17€ moins 20%. Je trouvais que ça encore... Enfin, je ne m'ouvrais pas mettre ce budget-là. Autant je sais, quand j'investis en haut pour Lily, potentiellement, il fait les deux. Donc j'ai pris ce petit haut là, donc en 8 ans, donc lui il était à moins 40%, cette très belle blouse, alors ça c'est par contre des hauts qu'elle ne mettra pas dans le cadre de l'école, elle a des hauts basiques pour l'école, mais du coup des petits hauts habillés, celui-ci par contre il était à moins 20%, et blablabla, ça c'est dans Agouli Goula des Chouminés, celui-là c'est aussi en 8 ans, rose comme ça, merci, qu'on a regardé hier, classique, oui. Donc pareil, en 8 ans, et du coup j'ai payé les 3 hauts pour une 30aine d'euros, et on parle de sergent-major, donc j'étais vraiment contente, parce qu'on est sur des hauts qui valent entre 20 et 25€ de base, enfin 19,80€, 24,80€, quelque chose. Et moi, mon petit 38 américain... Alors à sergent-major, mon amour, il n'y a pas de l'homme ni de la femme. Donc alors, des fois, ils ont des éditions limitées, où ils font des trucs à Noël ou quoi, mais là, là voilà pour mes petits achats. Donc bon, bref, j'ai un doute si vous me voyez clair ou si j'ai un effet crème solaire sur mon haut. Non, pas sûr. Bref, donc voilà mes petits achats du jour. Ah si, le dernier truc que j'ai pris, c'est ceci. J'ai trouvé un gros 3 pour faire une photo d'Abigail pour ses 3 ans. Voilà, un ballon. Et donc voilà, j'espère que cette journée avec nous vous aura plu. Merci d'avoir regardé ce vlog. Et puis à tout bientôt. Bye bye. Mmh.